Alors, je suis en compagnie de Patrice Ménard de PMML. Patrice, on est très fiers de vous accueillir au Salon immobilier en tant que partenaire principal de l'événement, le Salon immobilier du Québec qui aura lieu le 18 avril prochain. Merci Benoît. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous de s'associer à la Corpic en tant que partenaire, partenaire de longue date d'ailleurs. Et puis, en effet, ça va être un événement unique qu'on a bien, vraiment hâte. Excellent. Patrice, peux-tu nous expliquer comment tout a commencé pour toi en immobilier? En fait, l'immobilier est rentré un peu là, chez moi par le livre « Père riche, père pauvre ». Okay? Oui, Rich oui, Dad, oui. Poor Dad. Oui. Et à ce moment-là, j'étais dans la vente déjà. Donc, j'ai juste redirigé ma carrière vers la vente de courtage immobilier. Mm-hmm. Et bien sûr, par la suite, après un an, je me suis spécialisé avec les investisseurs immobiliers dans l'investissement. Puis aujourd'hui, bien sûr, avec l'entreprise qu'on a construite, bon, ça a été une belle progression. Oui, une belle progression. En fait, nous autres, ça fait longtemps qu'on se connaît. On a vu PMML arriver sur le marché de façon fulgurante, hein, une entreprise que tu as fondée avec ta conjointe, Sena. Oui. Et c'est devenu une agence, en fait, la plus grande agence multilogement au Québec et même, je disais, là, en Amérique du Nord. En effet, par le nombre d'immeubles qu'on en vente présentement, bien qu'on opère seulement au Québec, on a plus de 188 immeubles présentement sous contrat de courtage. Avec nous, si on a une division hypothécaire, donc on a environ 160 dossiers présentement de façon simultanée en financement. Donc, qui fait de nous là, un joueur important au Québec. Qu'est-ce qui explique un tel succès? Qu'est-ce qui fait que c'est autant fulgurant? En fait, c'est la création de valeur. De mm-hmm. comment aller chercher le besoin des investisseurs immobiliers, puis d'emmener ce qu'ils ont besoin. C'est-à-dire qu'on a commencé, bien sûr, tout le monde nous connaît aujourd'hui avec le rapport de marché. L'information que vous avez amenée aux gens. Oui. De façon gratuite. Oui. On a été chercher, on a fait beaucoup de travail de recherche et on donnait ce qu'on appelle le rapport à ce moment-là, qui était tout petit, et on donnait ça gratuitement. Puis tranquillement, mais les gens ont commencé à s'habituer, ça a commencé à développer une crédibilité pour nous, de se développer comme expert. On a commencé par la suite à être invité comme conférencier dans les différents événements, dont la Corpic. Exactement. Les premières fois qu'on avait vu ces chiffres-là, on trouvait ça incroyable. Puis là, aujourd'hui, pas qu'on prend ça pour acquis, mais votre rapport sort hein, de façon régulière maintenant avec plein d'informations. Oui. Puis on a continué la même philosophie avec tout ce qu'on, le contenu qu'on fait dans les médias sociaux. Puis, encore une fois, l'objectif, c'est vraiment d'informer les gens, de créer de la valeur. Puis, le succès, la recette fonctionne bien parce que ça nous revient beaucoup. Les gens, les investisseurs immobiliers sont… tu donnes beaucoup, mais en même temps, ils redonnent également aussi. Et c'est pour ça qu'on est content de vous avoir au salon avec nous. Qu'est-ce qui va être offert là, à votre kiosque? Comment ça va se passer au salon pour vous? En fait, l'objectif pour nous de cette journée du 18 avril, ça va être vraiment de connecter les investisseurs immobiliers avec les courtiers de notre ouais. équipe. Donc, autant ouais. les courtiers hypothécaires, les courtiers immobiliers. Et votre gang est tellement super. Tantôt, j'y voyais, là, c'est une super équipe. Oui, on est vraiment fiers d'eux. Mm-hmm. Autant l'équipe administrative, l'équipe de courtiers, on est vraiment une belle équipe. Fait que ça va être la chance de connecter, de serrer les mains, de parler, d'avoir des belles discussions. Et la façon que le salon est structuré, ouais. On a vu les plans que, et puis ça va être intéressant parce qu'il va y avoir des salles où on pourra faire des rencontres privées. Bien sûr, l'espace là, de réseautage, l'espace de formation, un espace de conférence. Exact. Je pense que ça va être vraiment… Là, c'est l'idée, oui. hein, d'amener, on dirait, tous les gens qui sont passionnés d'immobilier ou qui s'intéressent à l'immobilier dans un seul endroit, une seule journée, faire un gros happening. Oui. Et puis, toi, Patrice, tu vas être stagé. Hein, on parlait des conférences tantôt, tu vas être stagé et tu vas animer un panel sur les PropTech. PropTech qui est un phénomène actuellement là, dans l'industrie. Et il va d'ailleurs y avoir là, plusieurs PropTech exposants lors de la journée. Comment tu vois ça, l'impact là, des PropTech sur notre industrie? En fait, les PropTech ou les technologies les reliées aux propriétés, là, et puis c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais concrètement, tout le monde présentement est touché par les technologies. Okay, mmh. au niveau, puis dans l'investissement immobilier, c'est la même chose. Autant l'utilisateur final du produit, le locataire, dans sa qualité de vie à l'intérieur des espaces locatifs. Oui. Les propriétaires dans la gestion de leur immeuble, okay, que ce soit au niveau énergie, au niveau comptabilité, au niveau communication. Tout à fait. C'est des plateformes aujourd'hui qui vont faire incroyable. Beaucoup de travail, c'est automatiser du travail. Oui, on parle juste d'un exemple comme Kangaroo, qui a été une des premières… projets au niveau qui ont vraiment donné de la valeur ajoutée pour les propriétaires d'avoir de la qualité. Et on va avoir bien sûr un beau panel avec différents
joueurs dans la PropTech. Et là, on va commencer à regarder où est-ce qu'on s'en va avec ça. Parce que présentement, il y a une course aux données qui se fait. Et comment qu'un investisseur, comment qu'on peut prendre ça de notre côté et utiliser pour pouvoir améliorer, bien sûr, notre parc locatif ou la qualité de vie des locataires. Ça donne le goût, ça donne le goût. Donc, au plaisir de se voir le 18 avril. Merci, Patrice. Au plaisir. À bientôt. C'est un rendez-vous le 18 avril prochain au Palais des Congrès.